Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Roll and Write Kremlin Construct. C'est l'un des 13 jeux de Roll and Write qui sera présent dans la collection 1 an de Roll and Write qui sera édité par Cosmoduct et Aurora Games via un financement participatif sur la plateforme Ulule. Kremlin Construct est un jeu qui se joue en solo ou à plusieurs à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne 15 minutes. Il est entièrement réalisé par Phil Viscaro, y compris les illustrations. Afin de vous montrer comment on y joue, je vais effectuer une partie solo. Donc en solo, on aura besoin de 2 dés, un dé blanc et un dé rouge, alors que si on joue à plusieurs, il nous faudra 2 dés de chaque couleur, donc 2 blancs et 2 rouges. Mais là, je n'ai besoin que d'un blanc et d'un rouge. Le principe, c'est qu'on lance les dés, et on va devoir dessiner les pièces associées. Donc 5 blancs, ça veut dire que je vais devoir mettre 7 pièces ici. Bien évidemment, les pièces, à l'instar du jeu Tetris, vont tomber et doivent donc être placées tout en bas. Elles peuvent se retrouver sur d'autres pièces déjà placées précédemment, mais elles ne peuvent pas flotter dans les airs. On va pouvoir faire pivoter les pièces dans le sens que l'on voudra, y compris en mode miroir, donc complètement inversé. Et si l'on doit bien placer les deux pièces, donc là, celle-ci en blanc, et celle-là en rouge, je les place dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire que je peux d'abord placer la barre de 4 carrés horizontalement ou verticalement, puis ensuite cette forme-là ou inversement. Le but du jeu va être de parvenir à faire un maximum de lignes à la fois. Donc on peut au maximum faire 4 lignes grâce justement à cette barre-là. Et chaque fois qu'on va compléter des lignes, on viendra griser la case en face et on fera une coche en fonction du nombre de lignes que l'on a remplies à la fois. 1, 2, 3 ou 4, ce qui nous rapportera plus ou moins 2 points en fin de partie en fonction du nombre de ces lignes que l'on aura effectuées et également de la zone où on se trouvera puisqu'on aura droit à un petit bonus supplémentaire si on atteint au moins la zone orange ou jaune, verte et ou bleu, le but étant d'avoir le meilleur score à la fin de la partie quand on joue à plusieurs. En solo, on va pouvoir se servir de la fonction hold, c'est-à-dire que on va pouvoir se garder un dé pour plus tard, au moment où on voudra, et tant qu'on ne l'utilisera pas, on ne lancera que l'autre dé. Et du coup, on sera obligé de placer juste cette pièce-là. Quand on joue à plusieurs, la fonction hold n'existe plus, et par contre, le joueur actif lance les 4 dés, il en choisit 2, un blanc, un rouge, dessine ses pièces sur sa grille, et ensuite tous les autres joueurs doivent dessiner les pièces correspondantes à l'autre des blancs et à l'autre des rouges. Le joueur actif tourne à chaque fois après chaque tour de jeu. La partie va s'arrêter, donc que ce soit en solo ou à plusieurs, dès qu'on a un morceau d'une pièce qui sort du haut du plateau. Si on joue à plusieurs et qu'il y en a qui ne sont pas encore sortis, ils vont bien évidemment continuer à jouer. Donc allons-y, hop, un blanc et 4 rouges, donc un blanc, ça nous donne un petit carré, ben hop, je vais venir le dessiner ici, j'ai mon petit carré là, et 4 rouges, c'est une barre, et ben on va venir la barre de 4 la placer par-dessus, comme ceci. Nouveau tour, puisque j'ai placé les deux, cette fois-ci c'est l'inverse, 4 blancs, donc c'est un carré que je vais venir poser ici, et un rouge, donc là aussi c'est un petit carré tout seul, que je vais donc mettre là. Donc 5 en blanc, hop, il vient se glisser pile poil ici, et 3 en rouge, c'est une barre de hauteur 3, et bien je vais venir la placer par ici. 1 en blanc et 3 en rouge, donc le petit 1 blanc on va le mettre là, et le 3 en rouge on va le mettre ici. Donc 2 en rouge, c'est 2 carrés en diagonale, donc voilà, on va mettre là et là. Et donc là, si je mets le 4 blanc ici, ça me permettra de faire 2 lignes à la fois, puisqu'en le plaçant là, toc, j'aurai ces 2 lignes-là qui seront complètes. Hop, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc ce faisant, je noircis ici pour dire que ces 2 lignes-là ont été complétées. Et je vais également venir noircir ici, puisque j'ai fait 2 lignes d'un coup, donc forcément je choisis le 2 là. Donc ce qui veut dire qu'en fin de partie, j'aurai déjà au moins 3 points. On continue. 5 rouges, c'est la croix, et 6 blancs, c'est ce machin-là qui va du coup venir, hop, et quant au 5 rouges, la croix, elle ne m'arrange pas forcément, donc je vais me la garder pour plus tard. Donc là, je lance plus que le dé blanc. 2 blancs, on va venir la mettre ici, comme ça, et là, cette fois-ci, c'est juste une ligne que j'ai faite, elle est complète, donc hop, on noircit là. Donc on va la faire tourner et la mettre en miroir, et du coup venir comme ceci. 1. Et bien on va le mettre là. 5. Il va venir là. Et ce faisant, j'ai une nouvelle ligne de 1 ici. 4, c'est un carré. Hop, on va le mettre là.
Il faudra un blanc. Eh bien, c'est un 2. Un 2 qu'on va venir mettre là, comme ceci. Eh bien, comme tout à l'heure, hop. Que je vais mettre ici. Et du coup, je vais pouvoir prendre mon 5 dans la foulée. Hop. On va relancer le dé rouge. Donc, le 2 blanc, on va venir se le caler là et faire deux lignes d'un coup. Hop. Et le 3 rouge, on va le mettre là. Hop. Donc, hop, le 6 blanc et le 3 rouge, on va le mettre là. Là, ça serait cool que je rechoppe un 3 rouge histoire de faire 3 lignes d'un coup. Ben évidemment, non. Peut-être me le garder pour plus tard parce qu'il ne m'arrange pas forcément. Puis on va se mettre un petit 1 là. 5 rouge, hop, et ben on va le mettre ici. Et ben on va venir se le coller là. Et on va se prendre le 5 blanc et on va venir le mettre comme ceci. Donc là, ça serait parfait d'avoir un 4 rouge histoire de faire un petit Tetris. Bah tiens donc. Eh bien, on va mettre le 6 rouge là. C'est moche parce que du coup, ces deux lignes là, je pourrais jamais les faire. Et là, je fais deux lignes. Hop. Et le 5 blanc. Hop. Celle-là, c'est pareil, je pourrais pas la faire non plus parce qu'ici, je pourrais jamais mettre une pièce là, même si j'ai un blanc ou rouge, puisqu'elle ne peut pas tomber à cet endroit-là, vu qu'il y a déjà quelque chose au-dessus, bien évidemment. Il faut que les pièces puissent venir pivoter à cet endroit-là pour qu'on puisse les mettre là. Alors, 5, décidément, le 5 blanc, il commence à me sortir par les yeux. Hop! On va se le mettre là, et puis on va espérer avoir un autre 3 rouge dans la foulée, faire deux lignes. Donc là, je fais deux lignes, ces deux-là, puisque celle-là, j'avais dit, je ne pouvais pas la faire. Toc! J'ai le point bonus vu que je suis arrivé dans la zone orange au niveau des lignes 2. Et toujours pareil, cette merde de 5 blancs, ben je vais me le garder pour plus tard, tiens. Un rouge, eh ben un petit carré rouge, eh ben on va le mettre là. 4 rouges, une ligne de 4, eh ben on va se la mettre là. 6 rouges, on va la glisser là. Ce faisant, je fais une ligne ici. Re 6, on va la placer comme ça. Simplement deux. Les deux petits carrés, eh ben, on va se les mettre comme ça. Et on va mettre le 5 là. Ça commence à sentir le chaud. Je fais un peu nimp. Un et un. Bon. Et ben, on va en glisser un là. Et puis on va glisser le deuxième là. Toc. Ça, il complète les trous. Alors là, ça serait bien du 4 blanc. J'ai dit du 4, pas cette merde de 5. Alors le 5, on va se le coller là. Et le 1 carré ici. J'ai dit 4 blancs, pas 4 rouges. Bon, ben 4 rouges là. Et 3 blancs, hop, on va se les mettre là. Allez, 1 blanc et 1 4 rouges et je fais un Tetris. Bah tiens, rien à voir. Eh ben... Hop, le 6 blanc, de toute façon, le 6 rouge, il n'y a pas trop de choix, hein. De toute façon, ça va faire ça. Ce faisant, ben, à nouveau, simplement deux lignes. Et mon 5 blanc va déborder, parce que, du coup, je vais garder le 5 blanc pour plus tard, parce que sinon, je risque de perdre. Et, ben... Le 6 rouge va venir là. Et puis basta. Ce qui fera juste une ligne de plus. Celle-ci. Et voilà. Tac. Autant dire que j'ai fait une partie bien pourrie là, à cause de tous ces foutus 5 blancs là, que j'ai eu tout le long. Et c'est pas possible la malédiction. C'est chiant comme la mort à placer là, ce machin là. Mais bon, comptons les points. Alors, tout ce qui est une ligne à la fois rapporte un point. J'en ai fait 4, donc ça fait 4 points. Tout ce qui est deux lignes à la fois, j'en ai fait 5, donc 3 x 5, 15, 15 et 4, 19, et
J'ai un point de bonus puisque j'ai atteint la zone orange ici. Donc score final, 19 points. Voilà, vous pouvez bien rigoler parce que c'est un score pourri. Mais donc voilà pour le principe de Kremlin Construct. Ça se passe comme du Tetris et moi personnellement, je m'amuse énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourquoi pas vous aura donné envie de découvrir ce jeu et donc de participer à la campagne Ulule pour le projet Un an de Roll and Write. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut!